that social housing programmes are the only social programmes of any sort with which architecture is currently concerned. I was interested to hear from René Galustet over lunch that actually the difference between France and Britain may be more imaginary than real. I mean, they have serious funding problems at the moment. Many of the housing problems they find themselves with have a terribly familiar ring. There are apparently 15,000 homeless people in Paris alone, for example. I was also interested to see that, as with British architects, the one thing that's particularly noticeable about their slides and about slides to do with housing is the almost total absence of people in them. We start this afternoon's session with René Galustet, who's going to discuss two projects at Ivry, and which I think will demonstrate something which was shown this morning, which is the variety that French social housing seems to have achieved in its new housing, very different to the kind of polarised arguments we seem to be having here now between what one might call a community architecture approach and a kind of the last struggle of the old LCC ethic. After that, Jean-Marc Ibos will present his nemesis housing in Nîmes, an interesting example again of something I don't think we really have here, which is the showcase piece of social housing. That scheme was the result of a direct commission from the mayor, and rather like the Beaufield housing at Montpellier, I think, I gathered over lunch, should not be taken as a kind of a generality of the sort of projects that are being produced in France. They're rather special, they're rather one-off. Nevertheless, it's quite interesting that the Beaufort scheme is social housing, which again points to one other difference, I think, between us and them. Here, social housing now more or less means housing which is provided as a favour to poor people. In France, it still has connotations that quite middle-class people, it would be quite respectable for them to live in such apartments. But over to René Galustet. Oui, il faut d'abord que je vous présente un petit peu le contexte dans lequel ces bâtiments ont été construits. First of all, I want to tell you about the context in which these buildings were constructed. Ivry est une ville limitrophe de Paris, Ivry presque un morceau de Paris. It's almost a part of Paris. It's a very close suburb of the town. Qui avait décidé de modifier profondément son centre-ville. And the decision was taken to alter the center of town drastically. Après la guerre. After the war. Et les premiers bâtiments qui ont été construits ont été livrés autour de 68. And the first buildings that were completed were handed over in around 1968. Les intentions de la ville étaient assez claires. The intentions of the city were quite clear. Elle voulait sortir de la médiocrité banlieusarde, des petitesses banlieusardes. Wanted to finish, to end with this mediocrity of the suburbs. Et elle commença à monter un programme en densifiant énormément le nombre de logements. And the program started with a higher density. Et en essayant de construire dans la ville la salle de théâtre, les commerces, le centre, le supermarché dont elle avait besoin. And they tried to insert, to integrate in the center of town, the theater and the shopping center that was needed there. Alors le premier projet, que je ne développerai pas, était celui d'une tour d'habitation qui devait être suivie de 4 autres. So the first scheme, which I will not introduce here, develop here, was concerned high-rise, well, a tower of housing. Comme ces tours s'étaient construites sur des parcelles très très petites, elles étaient, built on very small areas, small spots.
Elles étaient obligatoirement confrontées au vieux tissu urbain. They were faced with the ancient urban fabric. Des petits immeubles, des maisons particulières. Small buildings and private houses. Et la rupture entre les nouvelles constructions et les anciennes a naturellement soulevé beaucoup de débats. And the gap, the breach between the ancient constructions and the new one were controversial. Quand Jean Renaudie est intervenu en 70, when Jean Renaudie intervened in 1970, le problème était délimité par un débat entre un retour à des constructions style comment dire vernaculaire. The problem, the issue had been defined. It was either the return to vernacular constructions. Ce que d'ailleurs d'autres banlieues ont pratiqué après avoir fait leurs grands ensembles. Which, in fact, has been implemented in other suburbs with our big complexes. Et il s'agissait de proposer quelque chose qui soit en rupture totale avec les bâtiments que les gens rejetaient. And the idea was to offer something new, completely new, because the people rejected the other buildings. Et qui en même temps ne soit pas un retour à un passé évidemment révolu. So something that did not mean a return to a past, a definite past. Je vous présente quelques photos du travail de Renaudie. Vous voyez par exemple ce bâtiment comporte 80 logements. C'est très peu vu son importance spatiale. This building includes 80 units, which is small if you consider its occupation in space. Vous voyez que sa volumétrie se démarque complètement des barres classiques du logement social. The volumetry is very different from the classical traditional slabs used in social housing. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'au rez-de-chaussée de ces bâtiments, what you don't see is that on the ground floor of se trouvent des programmes de commerce importants. They have significant shopping areas. Et une école. Cette autre photo, on voit mal, mais on devine la voirie importante qui se trouve à droite. So on this slide, you can guess the ways that exist on the right. Et cette autre nappe de bâtiments, and this other complex of buildings, qui recouvre le centre commercial, which is over the commercial center, qui se continue au-dessus de la voie, which goes over the way, over the road, et qui débouche de l'autre côté dans un nouvel îlot. And results on the other side on a new complex. Ici, on voit la confrontation des propositions spatiales de Renaudie et de ce bâtiment tour, le premier livré, que j'ai fait d'ailleurs, so this is faut the le dire. Confrontation of the work of Renaudie with this tower, which que vous avez fait. Que j'ai fait, oui, that le bâtiment tour. Et je crois que je ne vais pas m'attarder sur ce document où vous voyez peut-être mal les nappes de bâti qui tournent autour de la mairie qui se trouve à droite right, et qui constitue l'ensemble du centre-ville d'Ivry. Which constitute the town center of Ivry. Cela occupe à peu près 4 hectares. Which means about 4 hectares. Et dans l'ensemble, il y a un millier de logements. And about 1,000 units. Et des commerces importants and, shopping areas, shopping centers, et les équipements sociaux dont je vous parlais. And the social, amenities that I mentioned. Comme vous voyez, dans ces propositions, il n'y a pas addition d'éléments différents, and les logements d'une part. As you can see, there is no addition of different projects. On one side, you will have housing. Les équipements publics de l'autre. And the public, equipment, the public infrastructure on the other side. Il y a la volonté de constituer un tissu aussi complexe. There is a real will to constitute a complex fabric. Aussi dense. As complex as dense. Qu'on trouve dans les villes anciennes. As is usually found in the ancient towns.
Et une dernière caractéristique, c'est que les bâtiments eux-mêmes sont non seulement pénétrables, another feature is that the buildings themselves, well, you can go through them. On passe dessous, mais aussi on leur grimpe dessus. So you can go under, but you can also climb over them. Dans ce contexte, qu'on pourra développer si vous le souhaitez dans la discussion, je voulais vous présenter deux bâtiments dont j'ai eu la responsabilité. I want to present two buildings for which I was responsible. Celui-ci, qui regroupe 140 logements. This one, which includes 140 housing units. L'ensemble du rez-de-chaussée est occupé par des locaux artisanaux. The ground floor being occupied by, il y en a 25. Workshops, 25 of them. Et la base des locaux artisanaux constitue une sorte de site. And these workshops constitute a kind of sur lequel les volumes des logements s'installent. A kind of area on which the volumes of the housing units are put. Et comme vous voyez, les logements dégradés permettent de créer de multiples terrasses plantées. And these dégradés, c'est-à-dire en gradins. Stepped or tiered housing. Enable us to have different volumes. Cette photo est assez ancienne, j'aurais aimé vous en présenter une plus récente. So this is an ancient view, an ancient slide. I would have liked to show you a more recent one. Parce que la végétation a beaucoup grandi depuis que nous avons construit ce bâtiment il y a une dizaine d'années. Because the vegetation has grown a lot since the building of this construction about 10 years ago. Voici la façon dont c'est construit. Comme vous voyez, c'est très très simple. Very simple. Il y a des poteaux qui sont installés sur une trame. So pillars are set on a grid. Cette trame combine des hexagones, des rectangles et des triangles. The grid combines hexagons, rectangles and triangles. Et ces moyens finalement très simples qui permettent de constituer les formes que vous avez vues précédemment. So these very simple means enable us to shape the forms that you have seen. Comme vous voyez, vous reconnaissez le système déjà très valorisé pendant les années 20 du plan libre. So this is a return to the free plan, which was so much in use in the 1920s. C'est-à-dire qu'on constitue des plateaux. So it means you install levels. Dans lesquels on peut installer les logements avec les découpages qu'on souhaite. In which you include the housing according to the shapes that you wish to give them. Et nous avons choisi d'étudier chaque logement pour lui-même. And we have chosen to study each flat separately. C'est-à-dire que les 140 logements sont différents. Which means that the 140 units are different. Il y en a deux niveaux. Some of them have two split levels. Il y en a qui ont des patios incorporés dans leur volume. Some have integrated patios. Et l'immense majorité d'entre eux ont une terrasse qui les entoure. And the great majority are surrounded by a terrace. Voici un détail qui montre la façon dont les formes peuvent tourner. Peuvent se superposer. Et à l'endroit où vous voyez le lampadaire avec ses trois boules, and where you see this, light pole. Il s'agit d'un patio au rez-de-chaussée. It's a place we have a ground floor patio. Public. It's a public place. Où se trouve, qui est entouré par des galeries. Surrounded by galleries. Qui desservent les halls des logements. Which lead to the entrances of the flats. Et bien sûr les locaux artisanaux. And the shops and the workshops. Voici une vue plus large. This is a broader view. Et je vous ai montré cette photo parce que je voulais m'expliquer un petit peu sur cette idée de la trame.
I chose this slide because I wanted to elaborate on this idea of the grid. Vous voyez le poteau bon, qui constitue un des éléments majeurs de, du bâtiment. You see the post as one of the major elements in the building. Du point de vue constructif, évidemment. From the structural point of view. Mais l'élément découpé que vous voyez au milieu But the cut element that you see in the n'est, pas seul, n'est pas seulement un découpage décoratif pour que les fenêtres aient des formes un peu particulières. It's not there for aesthetic reasons in order to give peculiar shapes or special shapes to the windows. C'est un élément préfabriqué de petite taille. It's a prefab small element. Qui permet de porter la lèche au-dessus, qui elle-même est une poutre. Which enables to carry the spandrel, the beam, on peut dire. The beam, yes. Et qui dégage complètement l'angle des logements. And it clears the angle of the flats. C'est-à-dire dans des formes certainement agitées. So it means that in complicated form shapes. Yes. Il y a une façon de construire simple. Although you have a complicated shape, you have a very simple way of constructing. Mais il faut bien entendu que l'entreprise accepte de jouer le jeu de, d'étages non répétitifs. Provided that the contractor accepts to play the game, it is not a repetition of floors. Ces formes n'ont pas seulement pour fonction de bouger. The shapes are not there only to evoke movement. Elles permettent de développer la longueur des façades. They enable to develop the length of the facade pour chaque logement. For each flat. Ce qui fait que les orientations peuvent varier, quelquefois, souvent deux fois, quelquefois trois fois dans les pièces. Which means that the aspects can vary several times, once or twice or three times in the same room. Et dans ce type de logement, il est vraiment très difficile de dire c'est un logement au nord, c'est un logement à l'est, parce que... In this type of flat, it's very difficult to say that this flat faces east or west. Parce que chaque logement s'ouvre de plusieurs côtés vers la lumière. Because each flat opens on several sides towards the way to the light. Bien entendu, les redans permettent de créer ces terrasses que vous avez vues en plan masse. Of course, you have recesses that enable to create the terraces that you have seen on the block plan. Et voici, on est redescendu au rez-de-chaussée. So we're back to the ground floor. Et on voit les passages qui longent des petits jardins intérieurs. And you see the passages along internal gardens. Et ce passage a un rôle dans la ville. And these paths play a role in the city. Pas seulement dans l'immeuble. Not only in the complex. Il réunit deux rues importantes de la ville. Unites two main streets in the town. Et il est un lieu public à tous les sens du terme. And it's a public space in all the meanings of the word. On continue à se promener un petit peu au rez-de-chaussée. Là, on passe devant un hall d'immeuble. So we're still on the ground floor in front of a hall in the lobby of the building. Et ce que vous voyez sur la photo, c'est très grand poteau. And these big pillars or posts. Ce sont des surhauteurs qui font à peu près 7 mètres de haut. Are about 7 meters high, surhauteurs, je sais pas. C'est des hauteurs supplémentaires. Additional heights. Qui permettent d'agrandir l'espace du rez-de-chaussée. Which allow a bigger size for the space on the ground floor. Quand on regarde le plan masse. When you consider the block plan, on a l'impression d'une masse à peu près opaque. You have an impression of an opaque mass. Et tous ces jeux de hauteur, de retrait, and all these gains on the height and the recesses, permettent d'élargir l'espace. Allow to have a bigger space, et surtout de faire pénétrer la lumière partout. And to admit light everywhere. Je crois que c'est vraiment une de nos obsessions de Yes. Oui. This was one of our obsessions.
de ne pas avoir, de ne pas constituer un bâtiment qui soit un bloc qu'on contourne. We do not want to have a building that you walked around. Mais un bâtiment qui accueille la vie publique de la ville. But rather a building that welcomes public life in the city. Voici une de ses surhauteurs. This is one of these additional heights. La colonne bleue que vous voyez à côté est une gaine des logements. The blue column that you can see on the side is a shaft for the housing. Qui redescend librement dans l'immeuble, dans le volume. Which goes down freely in the volume. Voilà, là on est arrivé sur l'extérieur. Maintenant les arbres ont beaucoup poussé. Now you can see that the trees have grown. Et on est face aux façades des locaux artisanaux. And we're facing these craftsmen, craft shops. Qui s'ouvrent sur cette place. That open onto the square. Là, c'est très noir. C'est une autre vue des jardins extérieurs. On va passer. Voilà, alors ça c'est une photo plus récente. Comme vous voyez, ça a un peu poussé. This is more recent and you can see that the vegetation has grown. Et voici à l'intérieur ce que donnent les éléments préfabriqués dont nous parlions tout à l'heure. So this enables you to see the prefab elements that we mentioned before. Personnellement, moi j'aime beaucoup traiter ces différences d'échelle dans les baies. I really enjoy treating these differences of scale in the dans les ouvertures. In the openings. Parce que cela permet un usage beaucoup plus libre du passage de la lumière. Because it means freer admission of light. Cela permet toute une série de choix pour les gens dans la façon dont ils utilisent les fenêtres. And a number of choices for the people in the way they use their openings, their windows. Et je pense que même dans l'étude de détails de ce genre, and even in the detailed study, on peut jouer la carte de la variété, you can still play the game of variety, comme dans celle des plans des logements. The same way as you do with the plans for the housing. Voici un logement vu de l'intérieur. So this is an internal view. La cuisine au fond. The kitchen, l'escalier qui vient du niveau entrée au milieu, the staircase in the center, le séjour qui prolonge l'espace de la cuisine, and the living room, which is an extension of the space, et en arrière-plan, les terrasses. And, over there, the terraces. Voilà, c'est une photo qui est destinée à montrer les découpages des logements. This aims at showing the way we have cut the housing. Comme vous voyez, ils peuvent avoir des formes très très différentes. You can observe very different shapes. Et les terrasses elles-mêmes peuvent avoir des statuts très différents. And the terraces themselves can have very different stages. Elles peuvent se développer devant les logements. They can either expand in front of the flats. Ou au contraire, comme en haut, s'encastrer dans son volume. Or on the contrary, as what happens on top, it is built in the volume. Ça n'est pas compliqué à réaliser. It is not difficult to je tiens à insister là-dessus parce que nous disposons maintenant de cloisonnements avec une bonne isolation acoustique. Because we have now good sound insulated partitions. Des éléments légers qui ne surchargent pas les dalles. Light elements that will not overweight, put an overweight on the slabs. Et qui n'obligent pas à constituer les dalles en multipliant les problèmes de surcharge. C'est difficile, ça, pardon. Oui, qui permettent de calculer les dalles de façon homogène. And that enable us to calculate the slabs in a homogeneous way. Tandis que si nous faisions des séparations de logements en éléments lourds, and, whereas if we had separated the flats in heavy elements, nous aurions des problèmes de calcul très difficiles. The calculations would have been very difficult. Voilà une photo pas très bonne. Not very
mais que j'ai voulu vous montrer parce qu'on voit bien comment l'extérieur, qui est derrière ces vitres, est complètement, complètement intégré à l'intérieur du logement. And I wanted to show it to you because it shows how the outside is totally integrated into the inside. Ça n'est pas un gadget rajouté à la surface du logement. It is not, the outside is not a gadget which would have been added to the flat. Le jardin en fait partie intégrante. The garden is really wholly part of the flat. Voilà un autre logement unit, où, à cause de différences de niveau à l'extérieur, outside, on a créé des dénivellations dans le volume. Volume. Parce que je crois que c'est vraiment de la responsabilité de l'architecte really d'exploiter toutes les possibilités que peuvent lui offrir le site, to exploit all the possibilities, the opportunities given by the site pour enrichir la volumétrie intérieure de ce qu'il produit. In order to enrich the internal volumetry of what he designs. Voilà un autre logement. À gauche, ça n'est pas une terrasse, c'est un patio. On the left here, it's not a terrace, it's a patio. On voit les grands espaces très, très profonds. You see the very deep spaces. Et je tiens quand même à dire que c'est des logements qui tiennent dans les surfaces normatives. And I want to insist on the fact that these flats are included when they fit with the standard surfaces areas. Des surfaces normatives qui étaient quand même plus faciles à gérer il y a 10 ans que maintenant. These areas, these standard areas were easier to abide by now, 10 years ago than now. Comme vous voyez, il y a des parties du logement qui sont très étroites. Some parts of the flat are very narrow, ce qui fait que la surface d'ensemble n'est pas énorme. Which means that the total surface is not big, not, yeah. Mais par le jeu des redans, des cassures, but, by the, well, using, recesses or breaks, on crée des sous-espaces que les gens peuvent exploiter à leur convenance. We manage to create kind of underspaces that people use as they like. Voilà, je passe à un autre bâtiment. So this is another building. Qui n'est pas très loin du précédent. Not very far from the previous one. Et dans lequel j'ai essayé d'appliquer une règle du jeu assez différente. In which I tried to apply different principles. Le premier exploitait les possibilités du plan libre. In the first case, you had an exploitation of the possibilities of the free plan. Là, j'ai essayé de retrouver les refends porteurs. Here, I tried to find the load-bearing shear walls. Qui sont une des caractéristiques vraiment très, très, très générales de la production du logement social. Which are a very commonly used feature in the social housing. Mais en me demandant si on ne pouvait pas traiter ces refends dont on retrouve le rythme sur ces façades. But at the same time, I wondered if I could not use the shear walls that you can see on the facade. En tentant la même diversité. By trying to, well, to achieve the same diversity. La même complexité de volume, and the same complexity in the volume que dans le système du plan libre. That you can find in the free plan system. Enfin, cet ensemble de logements recouvre un centre commercial important. So this complex of housing is placed over an important shopping center. Dans la partie où on entre dans le bâtiment, se trouve une station de métro. At the entrance of the building, you have an underground station. Il y a un garage de bus qui est sous le bâtiment, there, pris entre les deux séries de volumes que vous visualisez sans doute grâce aux pignons. A bus terminal under the building, qui se trouve où? Qui se trouve entre les deux séries de volumes, entre cette partie-là, en arrière. Une voie passe dans laquelle le bus va s'engager et pénètre à l'intérieur du bâtiment.
So there is a road somewhere here, and the buses are inside, underground, the building, under the building. Mais là encore, je crois qu'il faut dire que nous n'avons pas constitué un lieu opaque. But once again, we have not made an opaque place, an opaque building. Là encore, les volumes s'élèvent. The volumes rise. Les parties hautes sont percées. The higher parts of the building are open. Et la lumière éclaire non plus une petite circulation pour les piétons. And the light goes not on a small circulation for pedestrians. Mais aussi une voirie urbaine aux caractéristiques difficiles. With where you have light on the urban highways with a difficult character. Voilà, ça c'est un plan de la zone d'accès. So this is a plan of the entrance, the access to the shopping center. Tout ce qui est en jaune constitue une galerie abritée. The yellow part is a sheltered gallery. Qui passe au-dessus de la voie des bus. That is over on top of the bus route. Qui dessert à droite un supermarché. Which on the right leads to a supermarket. À gauche, d'autres commerces. And on the left, another shopping center. Et ça se continue vers le haut du plan. Et le centre commercial de Renaudy que je vous ai montré tout à fait au début s'enchaîne avec celui-là. The shopping center made by Renaudy, which you saw previously, is linked to this one. Je vais peut-être me servir de ça. Vous voyez ici des gradins qui remontent vers les terrasses au-dessus. Here you have gradins des marches ou des gradins? Des gradins. Tiers that link with the terraces above. En passant par-dessus le travellator, on peut dire escalator, le travellator qui sert au supermarché. Flying over the escalator that goes to the supermarket. Et ces gradins descendent également au niveau inférieur. And these tiers also lead to the inferior level. Et constitue un des accès du grand parking souterrain qui est obligatoirement lié à un programme de ce genre. And are one of the accesses to the huge underground parking, which is compulsory in such a program. D'autres gradins ici, dont vous voyez juste la mort sur le plan. Other tiers here that you only see the beginning of them. Remontent au-dessus du volume du supermarché. They go on top of the volume of the supermarket. Mais presque l'ensemble de ce volume est recouvert par les logements. Most of this volume is covered by housing. Voilà une vue d'ensemble. So this is an overall, a global view. Comme vous voyez, vous ne voyez pas, plus exactement, vous ne voyez pas la grande caisse du supermarché qui d'habitude est presque obligatoire dans ce genre de programme. Le grand volume du supermarché. Pour moi, c'est vraiment une caisse. What you cannot see here is the big volume represented by the supermarket. Au premier plan, il y a un ascenseur important qui dessert les immeubles du haut. Les logements du haut, pardon. Front, you have a big lift that goes to the higher levels. Parce que bien sûr, il y a assuré le confort des gens. Il ne s'agit pas de les faire grimper par des petits escaliers jusqu'à leur logement. Because of course, it is out of the question to ask the people to climb by themselves, to climb the steps to the top floors. Mais il y a toute une série de plans. De jardins plantés. But there is a series of planted gardens qui occupent le niveau d'accès du supermarché situated at the access level of the supermarket et sa superstructure. And on its superstructure. Voici une vue plus détaillée de ces logements. A more detailed view of the flats. Les voiles porteurs sont découpées en biais. The bearing slabs are scissor cut. Et découpe, créent par leur découpe des beaux windows en avant des chambres. And their cuts create bay windows in front of the rooms.
Alors ça, c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Parce que quelque temps après avoir terminé Mara, un ami qui revenait des Indes m'a donné cette dia. Oui, j'ai oublié de dire que ce projet s'appelait Mara. C'est la preuve qu'on est dans une municipalité révolutionnaire. Mais ça m'a beaucoup intéressé, cette photo de Jaipur. And I was very interested by this photograph of Jaipur. Parce qu'on retrouve dans cette architecture sans architecte. Because in this architecture without architect. Oui, vous connaissez sûrement le fameux livre. On retrouve finalement les mêmes partis pris que nous avons essayé de mettre en œuvre dans Mara. You eventually trace the same approaches that we have implemented in Mara. Tout le bas est occupé par des commerces. The ground floor is occupied by shops. Il y a une certaine systématisation des travées dans lesquelles s'inscrivent les logements. There is a system of the grid in which the flats are included. Et il y a tout ce jeu des retraits, des cassures qui font que les logements ne sont pas des formes opaques. And all these setbacks and breaches that make that the housings are not opaque building. Voici une photo vue du haut. This is seen from above. On peut décrire tout à fait à partir du haut, sur les pentes, parce que c'est en pente les parties plantées du haut. So the planted areas on top are sloped. Enfin, à l'endroit où il y a les chaises et la table, c'est plat, mais après ça remonte en pente assez forte. So where you can see a table and chairs, it's flat of course, but then you have a slope. On voit les sortes de lucarnes, les trois sortes de lucarnes qui permettent aux gens de sortir du volume des chambres. You have lucarnes, small openings, roof windows. Roof windows, yes, oui. That enable the people to go out of the rooms. On voit la lumière qui pénètre par le haut du volume des chambres. You see the light emitted by the top volume of the rooms. Le volume des bow windows en dessous. The volume of the bay windows underneath. On voit mal le plan d'accès des logements. On devine de les portes des logements ici. The access to the flats is not very clear. I can only guess. Je les ai perdus. Ici et là. Et on a une galerie publique. And there is a public gallery. Mais finalement peu empruntée. But it's not very used. Puisqu'elle ne dessert que quelques logements. Because it only leads to a small number of flats. Et à ce propos, je pense que c'est intéressant de développer l'idée qu'il n'y a pas de formule type pour le logement collectif. And I want to insist on the idea that there is no typical or defined formula for tenement houses. Il y a des moyens à mettre en œuvre pour desservir les logements. Cela peut être les halls classiques. You can either have the traditional lobbies or halls. Cela peut être des coursives qui desservent directement les logements. You can have a kind of galleries or catways that go directly to the Des coursives qui donnent accès à des jardins avant d'accéder au logement. Or another possibility is a catway that goes to a garden before accessing to the flat. Et il me semble que c'est des moyens de ce genre, quand on les met en œuvre, and I think that when you implement such means, qui permettent de donner beaucoup de vie à un ensemble de logements. You manage to give life to a complex. Si on descend au-dessous de la coursive du haut, if you go below this, top gallery, on voit des terrasses là, qui sont ouvertes sur l'extérieur.
You see terraces open onto the outside. Ces logements-là sont bien sûr en profondeur sous la coursive. They are situated in depth between, below the gallery. Et au-dessous encore, on a un duplex avec un accès ici. And under you have two-story with a mezzanette with a special access. Une verrière qui ramène en profondeur la lumière dans le séjour. A glazed opening, yes, a verrière, which brings light in depth. Yes. Et les chambres au-dessus. And the bedrooms on top. De nouvelles coursives. And other galleries. Et en dessous, un commerce important. And below you have a shopping area, shopping center. Voici un plan de logement. C'est une... Est-ce qu'on peut régler un tout petit peu? Merci. Un plan de logement. The plan of a flat. Et c'est ce genre de choses qui m'intéresse beaucoup. And this is the kind of thing that I'm most interested in. Dans cette structure rigide des refends. In this very strict structure of sheer walls. Exploiter des accidents. The fact of exploiting accidents. Qui font que le logement n'est plus une boîte. Leads you to having housing that are not boxes. Bon, vous voyez l'incorporation du patio, you have the integration of the patio qui est bien sûr planté, which is planted. La surhauteur qui est donnée par le décalage de niveau dans le séjour que vous voyez en coupe là-bas. The additional height which is given by stepping, le décalage de niveau, le fait que le plancher du séjour soit plus bas que d'une partie du séjour soit plus bas que cette partie-là. Je peux peut-être le montrer sur plan. On entre ici, on a le séjour ici, une chambre entrance, then the living room, then qui est ouverte sur le patio, looking on the patio, la cuisine ici, the kitchen. Et puis on descend dans cette partie du séjour qui est surélevée, and you go down, qui est plus haute, bien to sûr. This living room. This other part of the living room, which is in fact a split level. Et on monte par un escalier assez raide ici aux deux chambres qui se trouvent sous la mezzanine. And there is a quite steep staircase that leads to the bedrooms on the second level. On peut dire que c'est un petit peu le démarrage du projet. On a travaillé sur des logements qui avaient à peu près cette configuration. This is at the outset of the project of the scheme. Et we started working on similar flats. Et ensuite sur des logements plus importants qui occupent deux travées. On bigger flats occupying two bays. Le patio au milieu étant une sorte de coup de projecteur de lumière pour les logements qui sont autour, pour les pièces qui sont autour, excusez-moi. The patio in the center, trying to admit light, to have light for all the rooms that surround it. Voici le patio. So here is the patio. Avec une partie du vitrage qui s'efface pour laisser une petite serre intérieure. And you have this setback of the glazed part in order to have an internal garden. Et on aperçoit plus loin les fenêtres des bow windows. And further you can see the bay windows. Alors voici un petit peu le cas limite. Là on s'est un petit peu amusé. This is a kind of a limit case. We had fun. Mais je pense que c'est bien de s'amuser de temps en temps. Voilà, le logement se développe latéralement par rapport à l'ouverture des refends. In this case, the flat is developed laterally. Et l'escalier qu'on trouve au fond du séjour dessert trois chambres. Leads to three bedrooms. Alors bien sûr, il y a des terrasses en bas, une terrasse en bas, une terrasse en haut, une grande terrasse pour la petite chambre de l'entrée. Several terraces, and among them one big one, a small room at the entrance. Voici un logement qui est un triplex, en fait plus exactement un logement dont l'accès est en bas
et on remonte sur les deux niveaux du séjour et des chambres. So this is a kind of a three-storied flat, but more precisely with the entrances at the ground level, and then you have two stories for the bedrooms and the living room. Dans un logement qui est assez petit, on a une impression d'espace très très forte puisque on a à un endroit du logement un volume de 7,50 m qui monte. In a small space, you manage to have an impression of real space because in one point of the flat, you have a volume of 7.5 meters. Voilà une autre vue du logement. Voici une vue sur le centre commercial avec les travelators du supermarché en bas. Shopping center with the escalator. Le haut des gradins qui passent au-dessus du travelator. The top of the tiers that go over the escalator. Le travelator vu de face, les gradins par-dessus. L'intérieur de la galerie commerciale. Un autre endroit où on voit l'accès au métro qui descend et la vue sur la rue en contrebas. So this is the access to the underground station in the city. Un des parcours autour vers les logements. Et des escaliers qui grimpent très très haut, du sol naturel jusqu'au-dessus du supermarché. And using the stairs, starting from the supermarket, you can go quite high. On redescend vers une rue. On voit qu'on est dans la vieille ville. Going back to a street in the ancient town. C'est fini. To anybody brought up like myself in the Churchill Gardens tradition of social housing, that was a remarkable demonstration of the plan possibilities within a single building envelope. Equally remarkable, I think, and I saw it for the first time last summer, is the Nemesis housing scheme in Nîmes, which arises out of the suburb like a giant liner. It had virtually no vandalism when I walked round it. It had I think it was tremendously successful car parking because it was the first sort of semi-underground car parking I'd seen, which actually looked welcoming rather than forbidding. And the generosity of the spaces on the balconies was a revelation. So I'll be very interested to hear something about this from Jean-Marc Ibos. Donc j'aimerais vous parler cet après-midi d'une opération qu'on a réalisée avec Jean Nouvel, puisque j'ai travaillé environ 6 ans avec lui jusqu'en 89. So I'd like to tell you about an operation completed with Jean Nouvel, because I worked with him for 6 years, down to 89. Une opération de logement qui se situe à Nîmes et qui représente environ 115 logements. A housing complex situated in Nîmes and which includes about 115 housing units. Et peut-être avant de parler plus en détail et des idées qui ont présidé à la mise en forme de cette opération, je crois qu'il faut resituer un petit peu le contexte dans lequel s'est développé ce projet. And before going entering into details and establishing the principles that led us, I think it's interesting to set the context of this project. C'est un projet qu'on a eu à démarrer à la fin des années 84. So we started it at the end of 1984. Et qui est un moment où Jean Bousquet, le maire de Nîmes, at the moment when Jean Bousquet, who is the mayor of Nîmes,
disons, a voulu développer une image architecturale de sa ville très très forte. He wanted to promote the architectural image of his town, but in a very significant way. Et le premier projet marquant qui a été lancé est le projet du musée d'art contemporain de Nîmes, dont le concours a été remporté par Norman Foster. The first striking project in this context was the project for a contemporary museum by Mr. Foster. Et on avait également donc participé à ce concours, et ce projet, je dirais, est issu comme compensation de notre deuxième place. We also entered the context, the competition for this project, but we lost it, and then the Moses came as a kind of compensation. Donc c'est... non, c'est bon. Donc, si vous voulez, le projet de Foster d'un côté et cette opération sont les deux premières opérations qui ont redonné ou qui ont développé l'image architecturale qu'anime aujourd'hui à travers de nombreux projets qui sont poursuivis, je pense, dont vous avez déjà entendu parler. So on one side you had the Foster project, then you had the Nemosis, who were the first landmarks, in fact, in this development of architecture and the image of the city of Nîmes. Et dans cette idée, je crois que c'était intéressant de faire cette petite aparté, parce que le maire, finalement, par rapport à cette volonté de développement, nous a quasiment donné carte blanche. And given this very strong will for an architectural development, the mayor let us totally free. Carte blanche avec, je dirais, simplement deux restrictions qui sont tout à fait légitimes, qui étaient un budget, bien sûr, et un délai. Yet there were two constraints, perfectly legitimate constraints, that were in the budget and in the time limit. Et l'idée que le maire avait du projet, c'était, on a pu en parler sur les présentations précédentes, d'avoir effectivement des logements qui soient différents. And the main idea for the mayor with this Nemosis project was to create different housing. Et bien sûr, on a essayé de, je dirais, saisir la balle au bon. And of course, we tried to benefit, well, to take advantage of the situation. Et de faire en sorte que ce projet soit, je dirais, une sorte de coupe historique, d'une certaine façon, sur le logement social en France. Une coupe? Oui, un état des lieux, je ne sais pas comment on pourrait dire. And we tried to make it a kind of landmark in the architectural history of housing in France. Je crois qu'on a vu ce matin deux projets de Roland Simounet. Madame Gailloustet a parlé de ces projets et des projets de Jean Renaudy. Je crois que c'est intéressant de revenir là-dessus, parce qu'effectivement, depuis les années 50, dans le logement social en France, il ne s'était pas passé grand-chose. Il y avait ces opérations... Hop, je vais peut-être un peu vite, pardon. Previously, we had mentioned the programs by Mr. Simonet, Madame Gailloustet, and Monsieur Renaudy, and it was interesting to see that since the 1950s, there had not been many changes, I think, in social housing. Bien sûr, il y a eu d'autres recherches. On pourrait citer Candilis ou des gens de ce type. You could cite other researches, for instance, performed by Candilis or... Il y a eu, au niveau de la ville, et M. Lombardini en a parlé ce matin, effectivement, un travail également qui a été fait. Mais globalement, dans le panorama, en dehors de Paris et de quelques opérations phares en région parisienne ou en province, je veux dire, on a vécu pendant une trentaine d'années dans un désert architectural au niveau du logement. So, apart from what happened in Paris, for instance, and M. Lombardini mentioned it this morning, in the 30 past years, there was a kind of architectural desert in social housing. Et en fait, cette opération, c'était pour montrer que le logement social en France ne doit pas être une fatalité. And the aim of our operation was to show that social housing should not be a fatality. Et en fait, les idées qu'ont prévalu à ce projet se sont passées et ont été mises en place de façon toute simple. And the principles in these projects were defined and implemented in a very simple way. Et le projet est parti d'un constat. And it started from an assessment, in fact. En fait, un constat en listant simplement ce qui pour nous semblait être des solutions qui ne marchaient pas dans toutes les opérations de logement passées. We started
of all the things that did not give satisfaction in the previous social housing operations. Et des choses qui peuvent aller jusqu'à des choses très simples, très banales, mais qui font aussi la qualité d'une opération de logement. It could have been very simple common things, but they have a role to play in the quality of this. C'est-à-dire par exemple des éléments d'usage. Une salle de bain qui soit une belle pièce, qui soit éclairée, on peut ouvrir sa fenêtre. For instance, take a bathroom. If you have a well-lit bathroom where you can open the window, it adds comfort. Un parking qui soit non pas un lieu presque maudit qu'on cache, qu'on met au troisième sous-sol. A parking that is a kind of malediction that you hide underground on the third level. Qui génère très vite l'insécurité, bon, tous les discours qu'on peut entendre à longueur de temps sur ce type de choses. Which causes delinquencies and insecurity. Et surtout, je crois, essayer de faire qu'on revalorise l'image du logement social. And try to give a better image of social housing. Et vous le verrez au cours des diapositives que je vais présenter, on a travaillé sur notamment l'idée de l'insertion urbaine, on a travaillé sur l'idée d'une opération qui est à Nîmes, on ne vit pas tout à fait de la même façon à Nîmes qu'à Paris. You will see on the slide that we insisted on the urban integration. Don't forget that we are in Nîmes, which is not very similar to Paris. La façon dont, par exemple, peut être perçu le bâtiment la nuit. We were interested in the way people would perceive the building by night. Jusqu'à les mettre en place dans l'opération, même si elles n'ont pas toutes été réalisées, des interventions d'artistes. And we even commissioned some artists to work in this operation, even if all the programs have not been achieved. Donc un certain nombre d'éléments qui font que on va travailler à la fois effectivement sur des éléments architecturaux simples. A number of elements, a number of actions, which means that we will work on simple architectural elements. Mais je dirais presque des éléments para-architecturaux qui vont créer le contexte de l'opération. But also para-architectural elements which will act in the context of the operation. Je vais peut-être passer un peu dans le détail du projet. So details of the project, yes. Donc sur cette diapositive, on voit donc l'implantation de l'opération. So here you have an idea of the site, the location of the... C'est une parcelle qui se situe derrière la gare, en frange... Pardon. The plot is behind the railway station. En frange de l'ancienne ville. It's marginal with the ancient city. It comes very close to the ancient city. Avec en partie basse de la diapositive, le périphérique qui fait le tour de la ville de Nîmes. In this part of the slide, you have the ring road that goes around the city. Donc un tissu de banlieue, je dirais, presque caractéristique de toutes les banlieues de villes françaises, un tissu effiloché, un peu en traînasse. So a typical suburban fabric, kind of frayed fabric. On retrouve à la fois des opérations qu'on voit partout, des années 60, terribles. With all these awful operations and, of the 60s. Basé sur ce qui était dit ce matin, l'efficacité du chemin de grue. Yes, the main principle then was the efficiency of the crane path. Un tissu pavillonnaire qui s'étend sur toute la partie droite de la diapositive. Detached houses on the right part of the slide. On le voit très mal, mais on perçoit peut-être mieux la composition du tissu sur cette diapositive. Et une série d'adjonctions qui sont faites au cours du temps, notamment dans cette zone-ci, des entreprises et des hangars artisanaux. And a series of additions which came in the course of time with sheds and industrial Et en fond de parcelle, c'est plus clair ici, cette ligne grisée qui est le lit d'un ancien ruisseau qui est bordé par une pépinière qui va quasiment jusqu'à la gare, donc en limite de l'ancienne ville. This gray line is the there was a river, small rivulet there. Bordered by pépinières and nursery, that goes down to the railway station. Donc l'idée de cette opération aussi, bien que ça ne soit pas mis en place, c'était au départ
qu'elle soit une sorte de tête de pont pour une refonte un petit peu générale de tout ce quartier, un raccommodage de l'ensemble de cette zone de Nîmes. So the idea, but eventually it was not implemented, was with this operation to create the very beginning of a new restructuration of the center of town. Et cette porte, constituée par les deux bâtiments, et j'expliquerai ensuite pourquoi cette implantation, devait conduire à une continuité végétale en réutilisant cette pépinière jusqu'à ramener toute une partie de la population de cette frange de banlieue vers le centre-ville. And these two buildings which create the gate, I think, should have brought some vegetation in continuation with the nurseries down to the center of town. L'implantation des deux bâtiments, je dirais, est tout à fait naturelle puisqu'elle s'est faite de part et d'autre de ce mail existant qu'on a conservé et renforcé en jouant la profondeur végétale pour se raccorder sur la pépinière en fond de terrain. So the location of the buildings was quite natural because it came as well, it was defined by this green mail that was there, green wall that was there, and it was aimed at deepening the vegetation that we wanted to have together with the nurseries. Et cette implantation reprend grossièrement l'implantation des hangars industriels qui étaient préexistants sur le site, puisqu'ils étaient ici. This location follows what you had with the industrial plants that were there before. On peut... Next, please. Ah, pardon. C'est le... Ok. Donc quelques photos pour vous montrer l'implantation des bâtiments dans le site et le rapport au quartier. Donc, les maisons individuelles, stations-service, donc le contexte dont j'ai parlé précédemment. Une vue difficile à prendre mais qui montre bien les deux bâtiments qui encadrent le mail central. So here you have the two buildings with this central wall. Et une vue quand on arrive donc sur Nîmes à partir du carrefour périphérique. This is seen when you arrive to Nîmes from the ring road. Donc l'idée de ces deux têtes, ces deux proues qui marquent la porte, l'entrée de cette zone de ville. They were acting as the prows of the liner at the entrance of the city. Alors, quelles ont été les grandes idées qu'on a voulu développer ou le constat qu'on a pu faire? So the principles and the assessments that we've made were... La première chose qui nous a paru essentielle, c'était d'utiliser les potentialités, je dirais, liées au climat et au mode de vie méditerranéen. Et to take advantage and to follow the way of life resulting from the Mediterranean climate. Et par rapport à ça, je voudrais dire, j'ai été tout à fait sensible à la présentation qu'a fait Roland Simounet ce matin de son opération dans les années 50 en Algérie, parce que on retrouve, en tout cas moi je l'ai senti comme ça. Des choses simples qui font la qualité d'un habitat. Je vais en parler après, peut-être. Pardon. And I had the same feeling as had Mr. Simonet this morning with Algiers, because it meant returning to very simple things that, in fact, are responsible for the quality of housing. Par exemple, l'idée des espaces extérieurs, les terrasses, l'idée de l'ombre, l'idée de la lumière, un appartement transversal, traversant du moins, qui permet simplement par l'ouverture d'une fenêtre et d'une porte de ventiler les pièces. So, for instance, these very simple ideas were the use of external spaces, a large opening that enabled to have a good ventilation, the admission of light. Pardon? C'est à peu près tout, C'est quelques exemples, mais je crois que c'est important de les mentionner.
Parce que je crois qu'aujourd'hui dans les années passées, on avait beaucoup perdu de valeurs d'usage aussi bêtes, aussi simples que ça, dans la standardisation du logement social. I think these are very simple ideas, but it was a good thing to return to them, because with the standardization in the social housing, we had forgotten about them. Parce qu'on a touché un petit mot ce matin du problème des normes et la façon dont est mis en place en France le logement social. We mentioned the problem of standards and the way they're used in social housing. Et Madame Gailloustet en a touché un mot également tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on fait du logement social, tout est fait pour nous amener à faire des cellules de plus en plus petites, de plus en plus mal foutues. Donc c'est vraiment une réduction complète des appartements. And the result of the implementation of these standards, as Madame Gailloustet mentioned it also, is a reduction of the space and eventually a very bad use of the space. Et l'idée dans cette opération, c'est qu'on a voulu un petit peu prendre le contre-pied de tout ça. And the idea behind this operation was to reverse the trend. Notamment l'idée, par exemple, du choix du logement. Ça me paraît être une des choses essentielles. For instance, in the choice of the housing, which seems essential to us. De proposer sur une trame de base, j'en parlerai un petit peu plus tard, qui compose les deux bâtiments, une variété de logements. We offer a variety of flats on a basic grid. Une variété de logements. Dans cette opération, on a une vingtaine sur 115 logements. On a une vingtaine d'appartements différents qui vont du simplex au triplex. Out of 115 units, we have about 20 different flats between one level, two levels and three levels. Et pour un appartement, par exemple, de trois pièces, on a encore la possibilité d'avoir soit un appartement sur deux niveaux, sur trois niveaux. Donc, une variété assez étendue de cas d'appartements. Typologie, pardon. In the case of a three-room flat, you can have three levels, for instance. So, great diversity of typology. Je vais rester quelques instants sur cette photo parce qu'elle permet de bien voir la structure et de bien comprendre comment étaient conçus les deux bâtiments. So this slide enables to understand the structure and the way the buildings were constructed. Donc c'est un bâtiment qui est basé sur l'idée d'avoir des pièces et des appartements plus grands que la norme. So the basic principle was to have spaces and rooms bigger than the standards enable. Juste un chiffre pour donner un ordre d'idée. Un appartement standard 3 pièces doit faire aux alentours de 60 mètres carrés, suivant la norme. À Nîmes, un 3 pièces moyen fait 95 mètres carrés. Donc un rapport de... Pour vous donner un ordre de magnitude, according to the standards, a 3-room flat should have 60 square meters, and in Nîmes, a 3-room flat has 95 square meters. Donc ça, c'est, je dirais, le rapport moyen pour l'appartement moyen de l'opération, avec des variations qui vont pour des appartements avec 100% de surface en plus. So this is an average figure, but we can have flats with 100% surface area in addition. Donc pour arriver à, je dirais, ce petit tour de force, il a fallu utiliser des moyens drastiques. So to achieve this, we had to use drastic measures. Et notamment rationaliser complètement le bâtiment. Which meant streamlining the building itself completely. Et ce qui m'amène à dire que c'est vrai que le chemin de grue dans les années 60 notamment a fait beaucoup de ravages. It's true that this crane route in the 60s was very detrimental to construction. Mais qu'on peut encore l'utiliser pour arriver à produire des projets qui soient différents de ce qu'on a connu dans les années 60. But yet we can still use it to achieve different programs from what we had in the 60s. Puisque vous le voyez très bien, ce sont deux bâtiments complètement linéaires, complètement répétitifs. Because, donc as you can c'est observe, vraiment un hymne au chemin de grue. These buildings are very totally linear and repetitive, so they are the best possible use of crane routes. Puisque c'est un bâtiment qui est composé de planchers.
tous les deux niveaux. Floors every two level, every second level. Et d'une trame transversale, de murs porteurs pleins, sans aucune découpe, vraiment les plus bêtes possibles, posées sur quatre poteaux. And a transversal grid of shear walls, load-bearing shear walls. Donc c'est un vrai, c'est une sorte de grande boîte à chaussures. Kind of a huge shoebox, in fact. Le parking est en partie basse. The parking is in the lower level. Et le parking, on le verra peut-être mieux sur les diapos suivantes. Quelques vues de l'extérieur, les coursives. Et le parking participe complètement de tout le site. On va y arriver, voilà. Puisque le parking est semi-enterré et le toit des voitures arrive à hauteur du mail, à hauteur du sol extérieur. So it's a half, the parking is half buried and the roof of the cars is at the level of the mall there outside. Donc c'est un parking complètement ouvert où l'ensemble des véhicules est visible. So it's an open parking, you can see all the cars in there. Ce qui assure, je dirais, une autosécurité, une autoprotection à la fois des gens qui l'utilisent et des véhicules qui sont placés. Which means a kind of a self-protection and security of the users. Autour de cette boîte à chaussures, si je puis dire, se développent deux coursives. Around this, all around this shoebox, if I may say so, you have two catwalks or galleries. Le côté nord, les coursives d'accès au logement. On the north side, you have the access to the flats. Et le côté sud, des coursives qui assurent une grande terrasse privative pour chaque appartement. And on the southern side, you have a huge private terrace for each flat. Alors ça, c'est une chose qu'on a voulu vraiment dès le début du projet, parce que je crois que, bon, à Nîmes, c'est le midi de la France, on vit beaucoup dehors, on a la chance de bénéficier d'un climat très favorable 8 mois sur 12. You know that Nîmes is in the south of France, the climate is very pleasant 8 months out of 12, and et, we wanted to insist on this. Et de beaucoup, je dirais, discuter, se rencontrer et de faire en sorte que on ne retrouve pas. Pardon, vas-y. Et de faire en sorte qu'on ait des lieux effectivement qui permettent ce type de pratique. And our basic principle was to have places that enable people to enjoy the sunshine. Donc la coursive nord, la coursive d'entrée, où effectivement, et on l'a vu une fois qu'on a eu livré l'opération, les gens se connaissent, discutent. Je veux dire, c'est une tarte à la crème, mais il s'avère que là, ça marche. Il y a ce qu'on appelle une sorte de convivialité qui s'instaure. So on this northern gallery, people pass, well, they go along, and they meet with each other, and there is a kind of conviviality, well, they know each other and they have discussions together. Et la terrasse sud, qui est une extension donc du logement et qui permet effectivement, même si on le voit pas parce que ça c'est des photos qui ont été prises juste à la fin de la réalisation, qui permet tout un tas de pratiques diverses et variées où les gens ont planté, où les gens font des barbecues, où les gens donc déjeuner dehors, bronze, un certain nombre de choses qu'on a un petit peu perdues dans les opérations de logement. And on the southern part of the building, people use their terraces, however, whatever they do with them, whatever they like. They either have meals outside or bathe in the sun, or well, they can just use the terrace. Alors, juste un petit mot sur cette photo parce que on en reparlera quand on verra les photos intérieures des appartements. Vous voyez donc cette façade sud qui est composée d'éléments répétitifs qui sont en fait des éléments reliés entre eux et qui sont des portes de garage, de hall industriel. So these elements that repeat are in fact garage, industrial garage doors. Et qui ont été la solution qu'on a mis en œuvre pour avoir une façade d'appartement qui soit entièrement escamotable et qui permette que tout le rez-de-chaussée de l'appartement puisse s'ouvrir sur la terrasse. And we chose this solution because it allowed to open the, well, the doors can open completely and disappear on the terrace. Donc tous les appartements qui ont
des façades sud qu'on voit ici, peuvent ouvrir complètement leur pièce à vivre, leur grande pièce de séjour, sur ces terrasses, et certains en triplex bénéficient d'ailleurs de deux terrasses. So all the people who have their flats looking to the south, they can open these big doors completely, and so the sun comes in when it's... Alors, une des choses aussi qui nous a permis de, hormis la rationalisation dont j'ai parlé tout à l'heure de la structure, qui nous a permis d'arriver à travailler dans les prix qui nous étaient imposés pour sortir cette opération, ça a été de travailler avec beaucoup de matériaux de catalogue. So we, in order to fit in the budget, we used a lot of material that we found on catalog. Vous avez vu donc sur les photos précédentes des extérieurs qu'il y a énormément de métal. You have noticed the presence of metal in great quantity. Et tous les éléments en métal qu'on peut voir par exemple ici, comme ce petit escalier qui permet de descendre dans le parking, cette rambarde, etc. Tout ça, c'est des éléments qui ont été livrés complètement en kit sur le chantier. And all these metal elements were delivered in a kit on the building site. Qui sont des éléments donc qui arrivent complètement conditionnés et qui demandent juste simplement un assemblage. So they only have to be assembled on the site. Donc c'est une solution qui nous a permis de contrôler beaucoup plus facilement les prix des entreprises. So this allowed us to check and to... Parce que c'est des éléments que tout le monde peut acheter, donc c'est des prix qui sont tout à fait figés et il n'y a pas des transformations de matière où là, effectivement, l'entreprise est souvent très habile. Et on n'est pas forcément tout le temps maître de cette transformation entre une matière première et... le produit fini qu'on a sur le chantier. When there is a manufacturing process, you're not always, you cannot always check the price. Voilà quelques vues du parking. Donc, on voit bien le principe. Donc, les voitures en contrebas qui permettent de créer une vue entièrement dégagée sur l'ensemble des 11 000 mètres carrés du site qui nous est imparti pour construire les deux bâtiments. So here you have the cars below, which create a clear view of the 11,000 square meters in under the building. Aussi une chose, c'est un détail, mais je crois que ça fait aussi la qualité d'un lieu, même si c'est un parking. Another detail, but it's also part of the quality of the place, even in the case of a parking. La hauteur sous plafond, c'est un parking qui a 3,80 m sous plafond, ce qui est quand même assez inhabituel. The ceiling height is 3.80 meters, which is quite unusual. Donc voilà un exemple parfait des éléments, amenés en kit sur le chantier. Un escalier comme ça, c'est complètement monté au sol. On a pris l'ensemble des éléments, et une fois que l'escalier a été monté, une grue l'a pris, l'a posé, et l'a scellé directement sur les coursives. So this staircase is a clear example of what I told you, of this material delivered on site in the kit. You just have to assemble it, and then the crane put it up. On va arriver sur quelques détails des éléments de catalogue mis en place pour ces escaliers. Je passe rapidement. Voilà, donc on arrive sur la façon dont sont desservis les appartements. Donc la grande coursive dont je parlais tout à l'heure. So the big gallery that I mentioned before. Alors une petite anecdote sur ces garde-corps inclinés, parce que ça renvoie à ce qui a été dit ce matin sur la norme. À l'origine, on n'avait pas de tablette en position horizontale sur ces garde-corps. So to go back to what was we were saying this morning concerning the standards, originally there was no this tablette, I don't know how you say, for the balustrades there, the balconies. Et comme le garde-corps est incliné à 30 degrés, évidemment, on était totalement déréglementaire. And they were totally out of the regulations because this balustrade has an inclination of 30 degrees. Et après avoir bataillé avec organismes de contrôle, etc., pendant plus d'un an,
on n'a pas pu les laisser sans éléments complémentaires. And after many discussions with the responsible authorities, they had to add this tablet. Alors on en est arrivé à l'absurdité la plus totale, c'est-à-dire qu'il a fallu rentrer dans la réglementation qui est appelée, qui est dite du garde-corps épais. So we had to fit in this regulation called thick balustrade. Et avoir un élément horizontal à 80 cm du sol. And add this horizontal element 80 cm from the ground. Alors que sans cet élément, le garde-corps, pour vous donner une idée, fait en projection verticale environ 1m30. Without this element, in a vertical position, the balustrade is 1m.30. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel bambin qui est sur une coursive peut accéder par la tablette au garde-corps et n'a plus que 50 cm de protection. So what is really stupid is that now any child can climb on this little tablet and fall over. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que s'il tombe, il va se tuer réglementairement. Yeah. No problem because if he falls over, it would be according to the regulation, so he will die in the regulation. Alors en côté sud, côté terrasse privative, ça a été un plus parce qu'effectivement, ça a permis aux locataires d'utiliser ça comme support de pots, de plantation, etc. On the other side, with the terrace, it was positive for the tenants because, well, it was an additional shelf and they used it for flower pots. Mais côté nord, voilà un bon exemple de ce dont on parlait ce matin à propos des règles et des DTU qui parfois sont un petit peu limites. But on the north part, it shows you the stupid application of regulations. Il faut que j'aille un peu plus vite. Donc je voudrais quand même qu'on rentre dans les logements. Donc voilà les portes qui fonctionnent sur un système d'une simple porte pour une pratique, je dirais, en mi-saison, quand on n'a pas l'opportunité d'ouvrir toute la façade. So you only open et la façade entièrement ouverte, donc qui donne sur les logements. Alors quand même, partly in winter and totally in summer. Quelques mots sur les logements. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la trame, et la trame est un module de 5 mètres de large qui dégage des plateaux de 12 mètres de long. So the grid is a module of 5 meters broad, well, width. Sur des modules de 5 par 12. Yes, on 12 meters. Donc pour chaque niveau, des surfaces de 60 mètres carrés au sol qui superposent et qui vont créer, avec un, deux, voire trois niveaux, les variétés d'appartements. So for each flat, you have 60 square meters superimposed, which will create a diversity of the housing. Oh, pardon, excusez-moi. Donc quelques photos d'un appartement type qui est à trois pièces, duplex. So this is kind of model apartment, three rooms, a duplex. Donc vous voyez la radicalité des traitements, béton brut, éléments préfabriqués, métalliques, galvanisés. Prefab metal elements. Unité sanitaire, je dirais, réduite au minimum pour donner le maximum de surface libre. And minimum sanitation in order to give unité sanitaire qui se trouve dans le sanitary unit dans l'épaisseur du mur qu'on voit sur le côté droit. Et le principe adopté pour la majorité des logements d'avoir sur un ou deux niveaux des vides intérieurs, soit au centre, soit en façade des logements en fonction des typologies. And the principle for split level flat to have interior voids. Les grandes caractéristiques aussi, également, une des grandes caractéristiques aussi, tous les appartements sont traversants. Another main feature is that all apartments are traversants. Ont deux façades, voilà. Two. Voilà donc le plan d'un appartement, si je puis dire, standard. Trois pièces, environ 95 mètres carrés.
3 rooms, 95 square meters for a standard apartment. Le rez-de-chaussée qui est composé de la cuisine et du séjour comme une grande pièce à vivre d'un seul tenant. The ground floor includes the kitchen and the living room as a one living unit. Ça, c'est le principe d'environ sur ce type de cellule la moitié des appartements. So this principle has been applied to about half of the flats. Et on a un autre type de rez-de-chaussée qui intègre non pas le bloc le long du mur porteur, mais au centre, qui permet d'avoir, je dirais, une cuisine plus isolée du séjour. Donc une Another pratique. Has an isolated kitchen. Donc ça montre bien, on a essayé de tenir compte, en fonction des organisations, un petit peu des pratiques des uns et des autres. Certaines familles acceptent tout à fait d'avoir des séjours cuisine entièrement communicants. D'autres préfèrent une séparation plus nette, je dirais plus traditionnelle, entre guillemets, entre la cuisine et le séjour. So in general, we try to follow the taste of the families. In some cases, they like to have their kitchen integrated. In other cases, they like to have it separated. That's all. Donc le premier étage qui regroupe les deux chambres est la salle de bain. La salle de bain, vous remarquez qu'elle a exactement la même taille qu'une chambre. C'est une pièce qui fait 11 mètres carrés pour la petite chambre, puisque ça c'est plutôt une chambre d'enfant, la chambre principale faisant dans les 20 mètres carrés. On the first floor you have the bedrooms and bathroom. The bathroom is the same size as the smaller bedroom, which is the 11 square meter. And the larger room is 20 square meters. Donc c'est vraiment un appartement complètement, je dirais, minimaliste, presque réduit à sa plus simple expression. So we could say that this flat is very minimalist, reduced to the simple possible expression. Où tout est fait pour le gain de surface. And the main aim was to gain surface, to gain space. Et le prolongement par les espaces extérieurs, terrasses privatives dont je parlais précédemment. Terrasse qui pour chaque logement fait 2,70 m par 5 m minimum. And you have this extension with the private terrace which has in each case 2.70 m Ça c'est à l'envers, pardon. Ouais. Donc un autre type d'appartement qui joue sur deux trames. Another kind of flat using two grids. Là encore, c'est, je dirais, basé sur l'évidence du plan, un séjour en deux parties. So living room divided in two parts. Ouverture totale sur la terrasse, qui elle, dans ce cas-là, fait 10 mètres. Total opening onto the terrace, which in this case is 10 meters. Et des chambres. Long. Et des chambres de part et d'autre, avec la salle de bain, sur des formats plutôt inhabituels. And rooms and bathroom of unusual size. Puisqu'une chambre comme ça fait de l'ordre de 7,50 m environ ou 7 mètres de profondeur. 7 meters depth for this room, for instance. Un autre type d'appartement sur deux trames, avec une chambre centrale qui est noire, qui n'a pas de fenêtre, mais qui bénéficie. With no window, blind. Qui bénéficie d'une grande verrière, donc sur le. Puisqu'on est au dernier niveau. Donc on utilise le toit pour éclairer la chambre. With a skylight, in fact, because it's at the top level. Un triplex. Triplex. Donc là, avec un vide intérieur qui joue volontairement, j'allais dire, un peu sur la surhauteur, sur presque un surdimensionnement, puisque c'est un appartement qui bénéficie d'un vide de quasiment 9 mètres. With an internal void of about 9 meters. Et toujours cette même évidence de la disposition des éléments, qu'ils soient techniques ou des pièces. And still the same obviousness of the elements and laying out of the rooms. Et ces appartements-là bénéficiant d'une ouverture sur terrasse sur deux niveaux. On and voit these sur la flats have two levels. They open onto the terrace on two levels. Donc ça, c'est un appartement qui a une fenêtre de 25 mètres carrés. So the window in this case is 25 square meters. Des appartements assez gigantesques qui sont les appartements en tête de bâtiment. Huge flats, and these are at the prow of the building. C'est des 5 pièces qui font 170 mètres carrés de surface habitable. 5 rooms and 170 square meters. Toujours basé sur des principes assez simples de distribution ou de positionnement des pièces dans les angles. Very simple principles of laying out.
un vide central et là, dans cet appartement-là, un séjour qui embrasse l'ensemble de la tête du bâtiment. And in this particular case, the living room benefits of all the curve there. Donc ça, c'est quelques vues d'appartements qui étaient les appartements témoins qu'on avait aménagés sur des thèmes divers et variés. Some views of the model flats that we had organized on following different themes. Et en fait, on avait pris trois appartements, dont un, celui-là, était censé appartenir à un aficionado de taureaux, donc à un passionné de tauromachie, on était à Nîmes. So we had decided that the owner of this one, or the tenant in this one, would have been a fan of corridas. Le précédent, vous avez vu des références à des meubles ou des bibelots un peu années 50. Tout ça, c'était pour montrer finalement que les appartements, dans leur nudité, dans leur squelette de base, étaient finalement possibles un petit peu avec toutes sortes de mobilier, parce qu'on avait eu beaucoup de questions en nous disant si on vient à Nîmes, il va falloir qu'on achète du Stark pour habiter à Nîmes. Donc on avait voulu complètement montrer que finalement, c'était vraiment une façon dont on positionnait les meubles ou la façon dont on appréhendait le logement et qu'il n'y avait pas, à vouloir acheter du mobilier contemporain ou même branché pour venir à Nîmes. So the problem with the people who were to occupy these flats, they thought that because of the innovation there, they needed to have a special furniture like Stark, for instance. And in fact, they decorated the model apartments to show that they could put anything. Quelques photos. Un studio, 60 mètres carrés, une pièce simple, un bloc technique qui intègre la douche, les éléments de cuisine, traité un petit peu dans l'idée d'un loft. Vous voyez les éléments de catalogue qui servent à faire l'ensemble des rangements de l'appartement. So this is a one-room apartment only. Quelques photos pour terminer parce que je crois que le temps presse. This is in fact going to be the last slide. I'm going to exercise chairman's privilege at this point. And je voudrais simplement montrer. Alors là, vous voyez quelques photos des interventions qui ont été faites par François Seigneur. Bon, je voudrais juste en dire un petit mot, parce que ça a été considéré ou ça a été montré de manière un peu provocative. Mais l'idée, c'était de montrer, c'était aussi l'idée de base de laisser ces murs bruts, que c'était pas un bâtiment figé et qu'il y avait tout à fait possibilité pour les occupants d'intervenir, de repeindre en blanc s'ils voulaient le faire ou pas. Et ça, c'était une des idées qui avait prévalu parce que généralement, dans un logement social, on a du papier peint qu'on n'aime pas, donc on en remet un autre. Et nous, on est plutôt parti du principe de dire on laisse brut et chacun peut mettre son intervention, faire un petit peu ce qu'il veut dans son appartement. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du côté un petit peu loft de l'opération. Untreated and so that everybody would put whatever they liked on it. Jean-Marc Ribos, thank you very much. Vous avez raté quand même la dernière diapositive que je voudrais que vous voyiez, qui est la vision du bâtiment la nuit. Turn off the lights, please. Le bâtiment au soleil couchant. Et voilà. We're going to take questions and discussions at the end of this afternoon. We'll take a 15-minute break now and see you back shortly. Thank you. In case I forget to do it later on, can I congratulate Anne Lombardini on her translation, which is not the easiest thing to do with architects and voluble ones at that. Our final speaker is a man who I don't think has an equivalent in this country. He's been
involved in politics and government. He's a professor. He's won major architectural competitions, including Ministry of Finance in Paris and sort of part two of the Grande Arche at La Défense. He has also been involved in social housing projects, but he's not primarily going to discuss particular buildings this afternoon. He's going to reflect more on what sort of vision you need to produce successful social housing. And the title of his paper is The Necessity of Utopia. Paul Chemetov. With great amenity, Jean-Marc Ibos talked about the French architectural desert of the last 30 years. By Jove, in the desert we found some camels and some oasis. And don't forget, Corbu died in 65. But I am one of these camels, and as you know, the camel don't speak English, but Franglish. For this reason, I speak in French. Thank you. Le logement social, une utopie nécessaire. So social housing is a necessary utopia. Car c'est une utopie de tout donner à tous un toit. Because it truly is an utopia to try and give a house, a roof to everybody. Non seulement donner un toit, mais le montrer. Not only give a roof, but also show the roof, show the place. Représenter que tous ont un toit. To represent, to advertise that everybody has a roof. Et pour passer du bidonville à la ville. And in order to go from the slum areas of bidonville from the town. Ce qui était un slogan de 1968. Which was a slogan back into 1968. Il faut non seulement de la quantité. We need not only quantity. Mais de la représentation. But also representation. Il faut représenter cette preuve. We must represent this evidence. This proof. La preuve, excusez-moi. Evidence, c'est une preuve. Oui, d'un autre niveau. Continuez. Parce que cette preuve soit philanthropique, qu'elle soit hygiéniste, qu'elle soit rousseauiste. So whether this proof is philanthropic, hygienistic, or following Rousseau, que cette architecture soit promothéenne, soit rationaliste ou productiviste, this architecture, should it be promothéen, rationalist, or productivist, elle montre quelque chose, elle montre l'utopie qui la sous-tend. It shows something, it shows the underlying utopia. Et forcément, chacune de ces utopies a fabriqué sa typologie et sa morphologie. And necessarily, each of these utopia generated its own topology and morphology. Cité jardin, œuf, cid longue, terrasse sous muse, grands ensembles ou villes nouvelles. Je reprends cité-jardin. Œuf und Siedlung. Terrasse and Muse. Grands ensembles or new towns. Each type has made its typology, its morphology and its utopia. Excuse me, je repasse en français. Et je voudrais vous parler de ce qui s'est passé en France dans les 20 dernières années. And I would like to tell you about what happened in France in the last 20 years, past 20 years. Et très bizarrement,
ces 20 ans correspondent à une nouvelle institution bureaucratique qui est le plan construction. Strangely enough, these 20 years correspond to a new bureaucratic function, which is the plan construction. Oui. Il y a 20 ans, à peu près, les pouvoirs publics ont décidé d'abandonner le productivisme. So about 20 years ago, the authorities decided to abandon productivity. Et de subventionner la diversité en architecture. And to subsidize diversity in architecture. On peut penser que ce n'est qu'un problème formel. One may think that this is only a formal problem, formal issue. Mais il faut voir que dans le même temps, but you must observe that during the same time, at the same time, il y a une recomposition complète du paysage du logement en France. There is a complete recomposition, restructuration of the du paysage. Of the landscape in France. Jusqu'en 1973, la quantité de logements construits chaque année est croissante. Down to 1973, the quantity of housing built increases steadily. Nous arrivons à 550 000 logements. We reach 550,000 housing units. Et aujourd'hui, nous sommes à la moitié. And currently, the figures are divided by two, half. Mais non seulement cela a été divisé par deux, mais nous sommes passés de deux tiers de logements collectifs à un tiers de logements collectifs. Not only the figures have been divided by two, but we've passed from two-thirds of tenement houses to un tiers. To one-third. Et pendant le même temps, le logement que l'on dit social a été divisé par six en quantité. And during the same period, the so-called social housing has been divided by six in quantity. Et cette peau de chagrin, well, c'est de Balzac, read the book by Balzac, the peau de chagrin. It means something that reduces. Pour faire une horrible plaisanterie française. This is an awful French joke. Ne serait-il aujourd'hui que le chagrin de la peau? C'est-à-dire que l'utopie s'est transformée en signature. Utopia has changed into signature. Et un grand nombre d'auteurs ont remplacé une grande quantité de logements. Great number of authors have replaced a great quantity of housing units. C'est pour cela que l'on peut, avec plaisir, voir qu'il y a d'excellents logements en France aujourd'hui. This is why we consider with pleasure that we currently have in France excellent social housing. Très souvent subventionné par l'État. Very often subsidized by the state. Mais je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de logement social en France dans le sens ancien de ce terme. Nonetheless, I'm not sure we can currently speak of social housing in the old meaning acceptance of the word. Parce que manque cette nécessaire utopie. Because this necessary utopia is lacking. Que ce soit celle des baignoires. Be it that of the bathrooms or the, yes. Celle du soleil pour tous. That of the sun for everybody. Ou tout simplement celle de l'homme dans la nature. Or that of man amidst nature. Et que le retour au logement social. So the return to social housing, ce qui veut dire un logement
non pas réservée aux plus pauvres, mais qui exprime la société. Which means, which should mean not a housing for the poorest people, but a housing for society. Ou express this society. Nécessite une morale des architectes. So this kind of housing necessitates a kind of morale from the architects. Ethic. Un architecte qu'avec beaucoup de regrets, je ne vois pas aujourd'hui, Yves Lion. An architect whom I regret not to see today, Yves Lion. Mais il était sur l'écran. But he was there on the screen. Parle d'une radicale normalité. Well, he mentions, he speaks of a radical normality. D'autres parlent de morale construite. Others speak of a built morale. Et ce qu'on peut observer dans cette maison, dans cette salle, dans votre salle de restaurant. And what we can observe here in this house, in this room, or in your restaurant upstairs. C'est-à-dire un milieu architectural. That is an architectural environment. N'existe pas tout à fait en France aujourd'hui. Does not exist as such in France today. Et la reconstitution de ce milieu. And the recomposition, the reconstitution of this environment. Et je le crois. La condition d'un retour vers une nouvelle grande période de l'architecture dite sociale en France. Is, I believe, a prerequisite to return to great architecture in France. Social. Oui. Ça a toujours été le cas dans le passé. This has always been the case in the past. À l'époque de Henri Sellier, comme à l'époque du Siam. At the time of Henri Sellier, just like at the time of the Siam. Mais la différence, peut-être, c'est que l'avant-gardisme aujourd'hui n'est pas la condition suffisante de ce progrès. But the difference maybe is that the avant-gardism today is not a sufficient condition for this progress or improvement. Et que très bizarrement, et c'est une dérision de l'histoire, and very strangely, and this is a derision from history, aujourd'hui peut-être Garnier, pas celui de l'opéra, Tony Garnier, et Tesnault, sont des architectes pour nous plus importants que Corbu. And maybe, well, today, Tony Garnier and Tesnault are maybe more important than Corbusier for us. Pour la question du logement social. For what regards the social housing. Corbu restera jamais le génie qu'il était. So for what regards social housing, Corbusier would remain forever the genius. He was. He was, yes. Mais retournons sur Terre. So, let's come back to reality. Et je vais vous montrer quelques images, moi aussi. I will also show you some slides. Et des images étalées sur 30 ans. Over a period of 30 years. Qui n'ont qu'un seul mérite. They have only one quality. C'est de montrer comment, au travers de 30 ans, le même homme a changé. Which is to show how, in a period of 30 years, the same man has evolved. Non pas parce qu'il avait envie de changer. Not because he wanted to change. Mais parce que le monde français a changé pendant ces 30 ans. But because the French context has evolved in these 30 years. Et que, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était quasi le 19e siècle en France. And we may say that 30 years ago could be compared to the 19th century in France. Et c'est cela, je crois, qui est... C'est aussi cette mutation radicale qui a mis en crise le logement social français.
And it is also due to this radical change that social housing is in crisis at the moment. En trois générations, un pays agricole est devenu un pays urbain, et dans les proportions strictement inverses. In three generations, this country, which was essentially made of farmers, became industrial, and in exactly the reverse proportions. Et si on ne comprend pas la brutalité de cette mutation, and if one doesn't understand the brutality of this change, on ne comprend pas non plus les méthodes militaires qui ont prévalu dans le logement au lendemain de la guerre. One will not either understand the military methods that prevailed in housing after World War II. Alors, je vais vous montrer ces quelques images. In 30 years, I built approximately 8,000 dwellings in 80 sites, and I show some of these. Yep. No. The first one is 62, is in a grand ensemble, and so it's a big complex. Thank you. It's a protest song against the grand ensemble, bricks, stone, roof, chestnut flooring against asphalt tile, the archaism against the modernity. And a very traditional plan, very large staircase. And the kitchen goes directly to the children's rooms. It's not in the norms. Another quarter near Paris, and we begin to build this 20 years ago, and actually now we finish this part. Ah, it's a mistake, but in the same time, it's a big competition, this, the competition of every new town and the competition of L'Île d'Abo. And each time we design, each time we don't win this competition, but it's a big scale, and this big scale was interesting for us, and we designed this with Yves Lyon, with Henri Siriani, with Borja Videbro, with Michel Corajou, very good friends. Romainville, 15 years ago, it's the maisonette style. Romainville, prefab panels. It's very cheap. When I heard Michel Lombardini spoke about the Paris price, unfortunately in the suburbs we have the half of this price. But and another part of the banlieue, Saint-Ouen, it's a work of 25 years. We begin here in 75, and actually we begin this part, little maisonettes. And you have a school for young, comment on dit une crèche en anglais? Crèche, the same one. A crèche, commercial, some shops, and so on.
And it's the first building of 72-75 with so-called triplex. Yes, kitchens, bathrooms, rooms, pieces for children for play, and for the playing of the parents, and so on. This another protest song against the panels. We mixed the panels in concrete, the panels in wood, some prefab pieces, and so on. It's a crash. Some details, very pictorial. And in this strange halls, we have artists. Another part, very poor and cheap architecture, so called in France PLR. The HLM is too luxurious, and the PLR is for the heavy, poor people. And another building of this little part of the suburbs called Saint-Ouen, and we have a big motorway who pass through, and it's another protest song against the motorways and the cars. When you go to the Kenya on the safari, you go to the house with heads, with horns, and we go to the house with killed yes, it's a pity, it's a little, but the noise is here, and we have to, and the south and the noise are here, and we have to have, comment, traversant, comment dit-on en anglais? Two-faceted dwellings, but to have some disposal against noise with first plans, with special things under, and with a general inclination of this building. That's the reason. It's another part of this little city with old house with repair, a new house in stone and bricks. And the, comment dit in cursive? Gallery. The gallery, and the room, and the kitchen, and the, thank you. The gallery, you have just maisonettes with, oui, and Paris in, dans le fond, comment dit-on en fait, charme. In the back. And this building and another one, other this mixed of panels, structure, glazing. I think the architecture is very opportunist. It's not a theoretical demonstration, it's just a construction. On another part, on the south of Paris, it's a central part of an old town called Villejuif, the city of the Jews. And we have to put some houses here, and René Gailloustet built this part. And we rebuilt old houses to reconstruct the old front of the village. And we are, it's an influence on India, the Red House of India, probably. The internal part with an old tree,
and new dwellings, and also Villejuif and the church and the public hall in this part. A gallery. La ville, the city, asked to me, we want arcade as Buffil. And I was very annoyed. And I tried to build other arcade. And I show to you the big plan, the landscape plan of L'Île d'Abo, this old new town competition. And the jury said to us, you have brave, very brave losers, and we give you 1,000 dwellings to build. And after some practical discuss, we just have 250 housing with Yves Lyon, Henri Siriani, Borja Hudebro, and me. And I built this part. And you have a very good sightseeing on the Mont Blanc. It's Yves Lyon, Siriani, and me in this corner. It's very traditional and very economic, just concrete blocks and, comment dit l'enduit en anglais? Rendering. And when you leave your motor car in the park, you have a promontoire to see the beautiful France in the background. And on the end of this cursive gallery, you see in good time the Mont Blanc. It's Grenoble, in the new town of Grenoble, and the AUA, a group of architects, today dissous. The shape of this new town is made by the AUA, excuse me, and I have this housing to build. Already the Indian influence, but a little white on the roof. Panels, it's an old thing, it's 15 years, and some metal, and all the things are good for building. The types. C'est toujours traversant, comment on dit ça? Yes, evidently. Ah, it's a very strange thing. It's a little town on the south of Lyon called Vienne. 20 years ago, it's the best French restaurant called Point. And for this reason, I go in this little city and I work during 20 years to repair these little pieces. The French public works decided to pass a road through this old building of the 15th century. And we have to answer to this invasion. And you have a railroad, Paris-Marseille. You have a very noisy little, comment s'appelle, une rivière? Little river. River. Very noisy. 82 decibels and 80 decibels and 78 decibels.